Regarde la femme dans la vie de laquelle tous ces miracles s'étaient accomplis. Non, Dieu Zambé a sali malade. Donc comme on parlait des miracles, lorsque le roi a écouté les miracles, il a dit, moi puis moi si un roi. Retournez lui toutes ces récoltes de 7 ans qu'elle avait perdues. C'est parce qu'on parlait des miracles et des prodiges de Dieu. Il faut qu'en toi, bien-aimé, que tu puisses les sentir. Que les bons tirs sont plus que tout. Et les bontés de Dieu sont plus que tout, même quel problème. Sache que le Seigneur est tellement grand. Dans ce problème, même si c'est un problème difficile, il faut commencer à mentionner, à témoigner. Lorsque j'étais enfant, ma maman m'a dit, j'allais mourir. Mais j'étais miraculeusement sauvé. On avait commencé. Donc tout s'est bien fait. Il faut fortifier dans les choses qui sont devant toi. Il ne faut pas mettre des soucis. Mais la place à soucis. Mais la place de soucis. Il faut mentionner les bienfaits de Dieu en ta faveur. Et fortifier au Kunda. Cela va te fortifier dans le combat. Pour l'homme. Pour que tu vainques. Que Dieu a pambolé vraiment. Et le Seigneur te bénisse. Nelo par la grâce de Dieu, tous amis. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes tous amis le 10 décembre. Le 10 décembre. Tous amis, 10 décembre 2021. Nous sommes le 10 décembre 2021. Et tous au banda. L'enseignement d'il y a quelques jours, nous commençons même l'enseignement, même de quelques jours, un autre enseignement. Sur les refus du père, il y a copé sa Samson la femme. Et la boue est allée, copé la Samson à moi, si pas y a tata na le. Et tata y a moi si. Tata y a moi si. Dans Tosa la Juge, chapitre 15e. Nous sommes dans Juge, chapitre 15. Nous les lisons bien aimés par la grâce de Dieu. Nangolui ensemble. Juge chapitre 15. Juge chapitre 15. Verset 1er. Le verset 1er. Togokenetil en verset 4. Nous irons jusqu'au verset 4. Après, tout le aussi juge 14. Après, nous lirons aussi juge 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pasteur Seba, le pasteur Seba va nous aider avec la traduction. Quelques temps après, à l'époque de la moisson de blé, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il. Donc, tata, que tu y avais pour aimer la haine. Et je l'ai donné à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins. Si je leur fais du mal, Samson s'en alla. Il attrapa 300 rénards et prit
et flambeau. Puis il tourna queue contre queue. Et mit un flambeau entre deux queues. Au milieu, il alima les flambeaux. Lâcha les renards dans les plaies des Philistins. Et embrassa les tas de jeunes. Les plaies sur pied. Jusqu'aux plantations d'oliviers. Que Dieu bénisse les dieux. Sa mère pour la. Donc, notre thème, le Tozo Pandanilo. Donc, notre thème que nous débutons aujourd'hui est allé dans le verset 1er, il y a Juges chapitre 15. C'est au verset 1er de Juges chapitre 15. Quelque temps après, à l'époque de la moisson de blé, Samson alla voir sa femme. Et lui portant un chevreau, il dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Donc notre thème, les amis, Samson cherchait à entrer dans la chambre de sa femme, mais le père de la femme ne lui permit pas d'y entrer. Donc notre thème, c'est le père femme qui ne permet pas à Samson d'entrer dans la chambre de sa femme. Et Dieu bénisse les dieux. Amen. Tu es dit que le Seigneur, dans son amour, nous savons que le Seigneur, dans son amour, a pécié son Saint-Esprit pour affoubler la mission de Macambounion, son Moïse dans les Écritures Saintes. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous ouvrir toutes les choses qui sont dans les Saintes Écritures. C'est ça l'importance d'abord et à Saint-Esprit. Alors, il prendra ce que Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est en moi. Ce qui est en Jésus, c'est dans les prophètes. Donc ce qui est en Jésus, c'est tout ce qui est dans les prophètes. Et il vous l'annonce. Puis il y a un le bien dans Jean 16, ce que je dis, Jésus l'a dit dans Jean 16. Donc quand l'Esprit est allé avec le peuple de Dieu, lorsque l'Esprit est là avec le peuple de Dieu, première étape. La première étape, et ça d'abord le miracle. C'est d'abord le miracle. Voilà même le bébé à Botami les lois pour ça. Là même un enfant qui est né aujourd'hui peut faire cela. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont pris. Dala dikamo kolanda bayo yo mama. Botami les lois. Donc il est né. Chasser les démons. Il peut chasser les démons. Ma botère. Mais il ne peut pas prêcher la parole. Il faut aimer les hommes. Il faut savoir ce qui est plus grand dans ces choses. Miracle, c'est bien, c'est la parole. Le miracle, c'est bien, c'est la parole. Mais c'est le début pour envoyer les bateaux à côté. Mais c'est le début pour aider les gens à entrer dans les choses de Dieu. Le peuple de Dieu va vous focaliser, vit la parole, ni en sauter sur des miracles. Le peuple de Dieu ne va pas focaliser toute sa vie sur le miracle. Premier miracle que nous avons besoin. Le premier miracle que nous avons besoin, c'est le cœur converti. Les amitiés dans le bon quoi. Cœur de pierre et l'ongué. Dans le pierre du cœur, le cœur de pierre est ôté. Ôté ma égénzé l'ongué. Donc le cœur incrédule est ôté. Négé Ézéchiel et l'oubli dans Ézéchiel chapitre 37. Comme Ézéchiel le dit dans Ézéchiel 37. Et le Biboué. Ézéchiel le dit ceci. 36, dis-toi, je pense bien par la grâce de Dieu. Ézéchiel 36, je dirai par la grâce du Seigneur.
Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 26. Je viens d'en dire. Amen. Je répandrai sur vous inopie. Dans Ézéchiel 36, verset 25-26. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27, Ézéchiel 36. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est la parole du Seigneur. Vous allez remarquer ici, bien aimé, Malubazo Luba Awa, les paroles que le Seigneur dit dans la Bible, à Pénissi. Ici, le peuple ne travaille pas du plus. Celui qui travaille, c'est je. Je dis que c'est je. Je. Donc, Isaïe Mokonda, c'est ça. Donc, c'est lui-même l'Éternel qui entre en service. Yemokwa, lui-même qui le fait. Yemokwa, le mi, qui est dans le sabbat, qui est pour tout ça. Il dit je ferai que vous suiviez mes ordonnances. C'est le premier miracle que vous vivez. Et ça dit que le monde est vivant et le roi. Que le monde puisse quitter ta vie. Il ne faut pas être dans les choses de Dieu et mélanger les choses. Ce n'est pas bon. Et ça, madame, terre. On dit ce que vous avez mis chez une fois, Dieu te vomira. Ce que vous avez montré, Dieu nous a mal limité. Nous n'avons pas pour Santa Gaïa. C'est ce qu'il a dit à l'église de l'Odyssée dans Apocalypse 3. Et c'est ce qu'il avait dit à l'église de l'Odyssée dans Apocalypse 3. Il faut aux Aranas, Ngambo Yali Bota Yanzambe. Il faut être du côté du peuple. Et Talisama qui aux Ali Yanzambe. Et cela, c'est parce que toi que tu appartiens au Seigneur. Et Zana Litomba Makas. Cela est très important. Et l'autre chose remarquée dans le texte en disant. La chose que nous remarquons dans notre texte, ils ont banda pour banda dans Genèse, dans Juges chapitre 14. Commence à partir de Juges chapitre 14. Samson a l'oulaki, moi si na katia papaye. Samson avait aimé Akataba Philistin. Parmi les filles de Philistin, Yazaraki Muta Jida. Samson était le Jida. Amoni fille na gambo ya papaya. Il avait une fille du côté des étrangers. Assez béni na cette fille. Samson a aimé cette fille. A beti isolo ye pa ya papa na ye na mama na ye. Samson est allé rencontrer cette affaire à ses parents. Et papa na ye va se faire qui na côté. Et ses parents n'étaient pas contents. Il n'était pas d'accord de Samson. Et cette affaire n'avait pas plu à ses parents. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Moi j'aime faire la lecture, bien aimé. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Je te recommande sur le premier ami dans sa vie. Pour enseigner. Mais mon Dieu a pour la beauté sa main. Nabandi na juge 14 pour notre sana mon lecture simple. Juge 14 pour une simple lecture. On va dire verset premier. Samson descendit à Timna. Samson a quitté Timna pour Timna. Il y vit une femme parmi les filles des Philistins. On a qui moi si mon pour Timna tiaba na basi yaba les Philistins. Lorsqu'il fit remonter, tango amataki, il déclara à son père et à sa mère.
commencé. Son père et sa mère lui dit, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple? Que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont circoncis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle m'est pleine. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. L'écriture est montée à Pagan et bénie dans l'église. L'écriture engendre beaucoup de païens dans les églises. Mais c'est très important pour le sens de la prophétie. Mais c'est très important que vous sachiez le sens de la prophétie. Car Samson cherchait une occasion de dispute. Oui, et Samson a savé qu'il de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux villes de Timna, voici un jeune lion rougissant vers sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevron. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme. Et elle lui prie. Quelque temps dans moi, c'est ce péril qui n'a eu. Donc, à ce péril qui n'a eu, Samson. Donc, Samson, il descendit et parla à la femme. Et elle lui prie. Oui. Quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Et se détourna pour voir les cadavres des lions. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fit arriver près de son père et de sa mère, il leur en donna. Ils en mangeaient. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans les corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un geste. Car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on le vit dans 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez, pendant 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il lui dit, propose ton énigme.
Et nous l'écouterons. Et il a dit de celui qui mange et sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti de tout. Pendant 3 jours, il ne put expliquer les lignes. Le 7e jour, il dit à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer les lignes. Sinon, nous te brûlerons. Toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui. Et disait, tu n'as pour moi que de la haine. Dis même pas la Bible. Alors, on va dire, merci parce que c'est là, c'est pour pas gêner, merci Seigneur, parce que tu as plus de nous donner la parole. Ah, je glorifie Dieu pour cela. Ah, la parole vraiment, c'est là, il faut voler la vie soit. Vraiment, le Seigneur a plu de nous donner sa parole. C'est pourquoi nous glorifions son nom. Je Alabi. Et disait il n'a pour moi que de la haine. Et il ne m'aime pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple. Et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Là, c'était pendant le jour de fête. Il faut faire très attention à l'écriture. Quand la chose n'est pas conforme, lorsque la chose n'est pas, c'est que le mari a de la haine à sa femme. Parce que l'amour est ça la moyen de garder secret. Parce que l'amour fait que tu puisses dévoiler les secrets. L'amour est ça la dévoilement. L'amour c'est le dévoilement du secret. Donc voilà, d'abord bombé à la femme. L'homme est caché encore à la femme. Et la femme a lobby. Alors la femme dit, il y a de la haine jusque là vis-à-vis de moi. Dis si quoi yo ina kaka kaka. Tu vas comprendre les textes. Il y a mon papa qui a rappelé qu'il y a un mot en péché, Samson à côté de la chambre. C'est ce que le père de la femme avait rappelé à Samson lorsqu'il lui empêcha d'entrer dans la chambre. Et lorsque Samson parlait, cette femme ici ne représente pas. Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours. Pendant les 7 jours, que dira leur festin? Et le 7e jour, il la lui expliqua. Donc, il y a 6 jours, il y a 7 jours. Donc, il y a 6 jours et le 7e jour. Na 6 jours, à nous battre, à pendant les 6 jours, il avait refusé de donner l'explication. Mais 7e jour, il a expliqué. Mais le 7e jour, il a expliqué. Donc 6 jours, on a bâti l'église, père. Tu vas comprendre. Dans ces 6 jours-là, il ne faut pas placer l'église là-bas. Car elle est tourmentée. Le 7e jour, il l'a lui expliqué. Car elle est tourmentée. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Voici à Kentucky pour sa dimola y a l'issuana n'a pas la mibali y a l'école. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour. Samson avant le coucher du soleil, y a moins de moi et là là. Quoi de plus doux que le mien? Y a moins le tamo polo collé dans ma foute. Et quoi de plus fort que le lion? Y a moins le tamo casi cosi. Et il leur dit, si vous n'aviez pas laboré avec ma jeunesse,
Vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'esprit de l'Éternel, je l'ai saisi. Et il descendit à Ascalon. Il lui tia 30 hommes. Prit l'air de pire. Et donna les vêtements de richesse à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère. Et il monta à la maison de son père. Sa femme fit donner à l'un de ses compagnons. Avec lequel il était lié. Azali le tir au néon son. C'est ça la parole aussi du Seigneur. Je fais la lecture de tout ce chapitre parce que c'est la parole du Seigneur. Pour comprendre l'ikambonini et zawana na kati. Pour comprendre l'affaire qui est ici dans ce chapitre. Toujours remarqué que nous remarquons bien aimé cette femme Azalaki Mopaya était une fille étrangère. Ma parole à Samson, quand Samson a dit ses paroles, lorsque Samson déclara cela à ses parents, ma boule, ils avaient refusé. Mais l'écriture est lobby. Mais l'écriture dit la chose venait de l'Éternel. Et le roi ne qui n'est pas il y a où il est colombaté, bala mon pagan. Il ne veut pas dire que toi frère va épouser une fille païenne. La moté. Ce n'est pas sa frère. Ou bien le sœur soit un frère païen. Toi sœur, tu as épousé un païen là-bas d'ailleurs. Ça n'a pas conséquence, ma casse. Cela a beaucoup de conséquences par après. Il faut prier toi célibataire. Et le Seigneur te conduise dans un bon endroit qui sera une bénédiction. Le mariage, c'est la vie aussi du combat. L'ennemi vient aussi combattre le mariage. Il faut aussi savoir aussi s'élever dans la prière. C'est très important. Mais comme le parent va y quitter que cela venait de l'Éternel. Mais comme le parent ne savait pas que cela venait de l'Éternel. Ensuite, papa naïe na maman naïe. Il prie son père et sa mère. Bakéi na timna attaque au bazanaki na opposition na proposition ya Samson. Il descendit à Timna même s'il n'était pas d'accord avec la proposition de Samson. Mais tant que nous kende, mais lorsqu'ils allaient en cours de route, Samson avec son père et sa mère, Samson a tapé maman. Tant que nous ma vie, lorsqu'ils sont arrivés dans le vigne, Bamoni, un jeune lion, Bamona qui cosimo pour mon bail. Qui venait à la rencontre de Samson. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à mettre. Samson déchira les lions. Samson a passé la kikosiwane. On nous a pas dit que quand Samson a déchiré les lions, c'était les sang qui en jaillissait. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les sangs de Dieu. Voilà côté j'arrive à cause. Avantir. Ça, ce sont vraiment des aventures, frère. Au côté avantir. Au côté à Biloko. On te dit que nous sommes sauvés par les sangs de Dieu, frère. Au moment où on a mis un matin dans tel la sacerdoce. Vous avez vu le lion monter sur le tel dans les sacerdoces pour donner son sang. Il faut comprendre les textes. Il faut comprendre les textes, frère. C'est très important. Ma bête du solo est à santé dans cette église. On n'a pas parlé du sang quand Samson a déchiré les lions dans cette église. T'as déchiré les lions. Lorsque Samson a déchiré les lions, par sa main, Namapo Gonaye Kata, il n'était point à son père et à sa main. Alors, ce qu'il avait fait. Alors, il n'y a pas sur la cause.
Il descendit et parla à la femme. Et à qui n'a dit à qui consola la moisi? À Soloni la moisi. Il parla à la femme. Et moi ça s'est payé sa vie. Et la femme ne lui plut. On attend à Soloni la moisi, moi ça s'est payé ici. Et après avoir parlé à la femme et qu'elle lui plut, Nathan ou Lyon déjà s'est pendu à qui? Après que les liens étaient déjà déchirés. Miel et à qui n'a monté? Les liens n'étaient pas en danger. Faut vous comprendre. Il faut comprendre les textes. Les choses de Dieu. Dieu a dit à sa parole par les mots et par les termes. Ça a dit à Kalilobanaï, n'a pas le mot à dire à la Makoni. Écriture, on a un verset. Sixième. L'écriture, mais nous avons dit santé. N'a pas parlé du sang du lion, non. Et n'a pas quoi déchiré. Et lorsqu'il avait déchiré, Samson n'avait pas encore vu les liens. Samson, à mon avis, là, nous m'avons fait un tour. Il est allé. C'est ça le texte. Il y a mon nez, ma commune. A Kéhi, qu'on s'en va à la femme. Il est allé parler à la femme. À ses pénètes et la femme, ma casse. Et la femme lui plut. Aux hommes, la maman. Amen. Maintenant, verset 8, tiens. Maintenant, le verset 8. Donc, on Kéhi, n'est pas dans la main, si mal au il descendit. Ah, allez, alors, si mal à la terre, hein. Il descendit à Kitaki et par là, puis à Solo la Kinamasi. Donc, à Zalaki n'a lié que. Donc, Samson était comme dans un lieu élevé. À partir de. Donc, il a déchiré les lions là-bas. Un lieu. Là-bas, dans le lieu. On ne parle pas de ça. On n'a pas parlé de ça. Après, il dit en Benassimakiti. Trouve la femme. Il a trouvé la femme. Amen. C'est ça le texte. Il y a un de ma commis, mon ah. Lion. Il trouve la femme. Amen. 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 À se payer mon nom à cette femme. Et la femme ne lui plut. Maintenant, verset 8. Le verset 8. Quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna. Pour la prendre. Pour la consoyer comme moi, si n'est pas. Donc, c'est que il descendra encore de nouveau. Donc, Samson descendra encore ou descendit encore de nouveau. Vous en avez là? Amen. Parce que, à Zonzonga, il sous-soit. Donc, c'est là que dit, à Salaki, marche. Donc, c'est-à-dire, il avait fait la marche. À Soloni, n'a pas si passé, mais là, qu'il est ma. Il a parlé à la femme parce qu'elle n'y avait plus. Et puis, à Zonga, qui n'a lié. Il était rentré encore dans le lieu haut. Quand à Zonga, qui a tiré, quand il a lié en déchiré. Lorsqu'il est rentré, il n'a pas mis tant au lieu qu'il avait. Mais lui était déjà déchiré. Mais le lieu était déjà déchiré. Quelques temps plus tard. Quel état qu'il a si mal. Il a la délire. Donc il descend. Nakawa c'est en ces temps. Quel est le temps après? Verset 8. Le verset 8. Il s'est rendu de nouveau à Timna. Mais maintenant c'est pour la prendre. Maintenant c'est pour que nous soyons là pour ma il a parlé. C'était l'étape où il a parlé. Après il est retourné. Après il est retourné. Dans les lieux. Mais si il descend encore. Et il descend. Mais c'est pour la prendre. Et c'est pour la consoler comme à moi si n'a rien. Quand il descend quelques temps après, il s'est rendu de nouveau à Tigna pour la prendre. À quel point je pense qu'il n'a rien comme à moi si n'a rien. Il se détourna pour voir le cadavre du lion. Il y a quelqu'un qui n'a pas de temps là et de lion et à cause. Donc c'est comment il est déjà cadavre. Donc c'était déjà un cadavre. Oui, le cadavre, mais les et bébé. Tu es poussière, tu es retourné dans la poussière. Vous allez pour tout le monde, vous allez dans la poussière. Mais poussière, oui. Mais cette poussière est pessie. A donné le miel. Le miel, m'a fait un tour. C'est ça les textes que nous avons. C'est ça les textes que nous avons. Et voici, il y avait un essaim de mail. Et dans les années, du miel dans les corps du lion. Ma foute en zoo, il a un zoo de la cousse. Un zoo de voilà. Nde ya koti amoni, mena miel. Alors, il a vu le miel dans le corps du lion. Il y prie entre ses mains le miel. A soi qui n'a pas bon konaye, où est-ce que ma foute en zoo? Dont il mangea pendant la route. Donc, en allant, cela veut dire qu'il est en train de descendre. Mais il mange du miel. Mange le miel.
Mais ça va tourner Samson qui doit. Où est-ce que tu vas, Samson? La cause. Je vais prendre la femme. Mange le miel. Il mangeait le miel. Mais il descend. Mais il descendait. C'est ça d'abord le texte. Les années pour être français de Wotama. C'est pas que tu maîtrises bien la grammaire que tu vas bien lire. Non, ce n'est pas ainsi. Attends, anglais bien ma pension livre, Bible et Roi Jacques. Wotama, l'autre. Même si tu maîtrises bien l'anglais, on te donne les livres, les King James, tu vas pas bien les lire. Ce qu'on émine, tu n'as pas la pension, Bible et Maganja. Attends, tu maîtrises bien l'anglais, on te donne les livres. Wotama, tu ne vas pas lire ces choses. Si on est que Wotama, d'ailleurs. Dans l'ensemble avec toi. Ah, parce que la révélation, c'est comme le monde est libre et cacheté. C'est ça, Esaïe 29, 11. Qu'on donne à un homme qui sait lire. On dit libre. Il dit je ne l'ai plus. Parce que c'est caché. Aux gens à ma Amen. T'as toujours remarqué que nous remarquons bien. Tant qu'Akiti, Akiti, Azu, a servi miel et païa, papa na maman. Donc en descendant, il servit le miel à ses parents, son père et sa mère. Bambo Bandéa. Et ils ont mangé. Après, à sa festin. Après, il fit un festin. Festin, on les a dit à 7 jours. Ce festin-là, c'était pendant 7 jours. À quatre festins, hein? Et dans ces festins, ni moi si n'aie pas qu'une dimbola, ni sa femme ne connaissait l'explication de l'énigme. Moi si j'ai eu un programme à besoin. La femme qui avait le programme, elle n'a pas même l'explication. Il ne connaissait pas l'explication. Mais ma fille, mais qu'est-ce qu'on a pris? Ma fille, saint, on a pris le Napatina Mambo parmi les Philistins. Lorsqu'on a vu Samson et Judas qui vient, 30 compagnons pour lui. On lui a donné 30 compagnons pour être avec lui. Amen. C'est là que dit, Akobana qu'on travaille na bango. C'est là que lui va commencer à travailler avec ses 30. Masaginetti, nagata peuple, le peuple va pécier comme ton. Donc le peuple lui a fait comme un don de 30 compagnons. 30. 30. On lui a donné 30 compagnons. Mais lorsqu'il a regardé il a senti qu'il manquait de vêtements. Il leur a dit, il a proposé l'énigme. Je propose une énigme. Ceux qui vont répondre, si vous m'en donnez l'explication, à couper ce bidon, 30 dilemmas. Je vous donnerai 30 vêtements. Ma compagnon a elle. C'était ses compagnons. Compagnons, c'est là que dit, oh, au bout de temps, on a et c'est comme mon corps, au bout de temps, on a bango, mis ça. Donc, les compagnons, Balinda, Balinda, mieux, au bout de temps, on a et c'est comme mon corps. Vous en avez malin, moi. Amen. Bango, on a été là, il a un abonné sur moi. Ce sont deux à eux qui l'avaient là. Là, qui, Bango? Et il est rapproché. Parce que 30 on a dit, combien de temps? Mais ces 30 étaient combien de temps? Donc, la carte à la Philistin. Donc, parmi les Philistins. La Philistin, elle a vu 30 personnes. Les Philistins ont pris 30 personnes. Ma Pessi, il y a Samson comme don. Ils ont donné un don et il leur a donné un don à Samson. Mais par toi, là, et, mais ces gens-là, Samson promet de pas les habits. Mais les Samson les a promis les habits et les vêtements. Mais sont qui m'a su? Bah, j'ai l'explication de. Mais s'il ne reçoit pas l'explication, alors dépouiller, bah, Samson va les dépouiller. Je pense que vous avez tenu malin de malin. Je pense que vous avez tenu malin vers la raison d'être des écritures. Parce que nous avons tenu malin de 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 la femme qui lui avait plu, qu'elle était allée prendre en mariage. Papa, ça va qu'il a les sommets les 6 jours. Son père n'avait que. Papa et moi, l'histoire des 6 jours. Parce qu'elle avait 6 jours. Parce que pendant les 6 jours, Samson, ça va pas à moi, c'est une bonne la tête. Samson ne donnait pas d'explication à la femme. Mais moi, si à l'obat qui voyait. Alors la femme avait dit ceci. Verset 16. Le verset 16. La femme de Samson plairait auprès de lui. Moi, si à Samson, à Zara qui collait. Et disait. Pour moi, qu'est-ce que la haine? You, Namonio, il n'a qu'un autre tatana. L'isolo, moi, si on était là sur tatana. Bon, tatana, ayobé, tamon, verset 2, il y a juge 15. Donc, cette histoire de la haine de Samson vers sa femme l'avait raconté à son père. Yamon, papa, je vais rappeler Samson, verset 2. C'est pourquoi le père rappelait
Il y a juge 15 maintenant. Juge 15. J'ai pensé, dit-il, que tu y avais pour la haine, pour elle et la haine. Et je l'ai donné à ton compagnon. Que Dieu bénisse. Amen. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple. Et il ne l'a point expliqué. Et il lui répondait. Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Maintenant, tu vas mettre au temps pour la raison des choses. Maintenant, on entre pour voir la raison des choses. Tout ceci, c'était pour te faire entrer d'abord l'histoire de Samson et de la femme. Il faut croire, il faut savoir, bien aimé. Le Seigneur t'a raison Adam. Lorsque le Seigneur avait pris Adam, a pensé qu'il pouvoir. Le Seigneur lui avait donné le pouvoir. A pensé autorité. Il lui avait donné l'autorité. A tiré dans le jardin d'Adam. Il lui a mis dans le jardin. Mais il sait qui est que mon colo. Yo, auto satisfait qui au colia, bouma. Il avait dit le jour où tu en mangeras le fruit. Y'a voyé qui ma bébé mala. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Okufa. Tu mourras. Dans l'air, on est avec ma arme. C'était vraiment l'arbre naturel qu'on était trompé pour. Parce que le jardin d'Eden est avec un jardin physique. Parce que le jardin d'Eden était un jardin naturel. Parce que dans 1 Corinthiens 15, Dieu commence d'abord les terrestres. Les terrestres viennent avant. Parce que dans 1 Corinthiens 15, ça fait un canon, non, il y a 6 voyages. Les spirituels viennent après. Il y a le premier nom. Et le dernier. Et toujours remarqué que. Et nous remarquons. Tant que Adam a tossi mon bécoté. Lorsque Adam a désobéi à la loi. Zambé a bénanaï. Le Seigneur l'avait chassé. Donc au bénanaï. Donc chasser Adam. Cela veut dire Adam perdre la montagne. Cela veut dire Adam a perdu la montagne. Qui est la barre montagne. Il est descendu au bas de la montagne. Le Seigneur a répété Adam à peuple d'Israël. Le Seigneur a répété Adam par le peuple d'Israël. C'est l'enseignement qui nous a répété dans un déjà où il y a. C'est l'enseignement que nous avions et l'enseignement qui vient de passer. Il y a un autre monde qui est dans Exode 15. C'est pourquoi nous avions vu dans Exode 15. Dans verset 17. Au verset 17. Qui m'a béni aux âmes à Pessah Abraham. Que la terre que le Seigneur avait donnée à Abraham. Terre à Cana. La terre de Cana. Et dans la montagne. C'est dans la montagne. C'est Exode 15, verset 17. Exode 15, le verset 17. Oulana Malam. Suivant attentivement. Yango Isaka répétition et un jardin d'Éden. Donc c'est la répétition du jardin d'Éden. Tout en Exode 15, le verset 17. Exode 15, le verset 17. Nous lisons en nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure. Au éternel. Oh Yahweh. Au sanctuaire. Seigneur, que tes mains ont fondé. Vous avez placé sur la terre qui peuple. Voyez là où il avait placé Israël. Israël. Ils avaient qui montagne de l'héritage. C'était la montagne de l'héritage. Ils avaient les mots jardin d'Eden. C'était le signe du jardin d'Eden. Jardin d'Eden physiquement, ils avaient qui montagne. Et physiquement, le jardin d'Eden, c'était la montagne. Donc ils avaient placé en haut. Cela était placé dans le lieu élevé. Donc il dit ville, les ennemis élevés. Donc une ville sur la montagne dans un lieu élevé. Et Dieu bénisse. Amen. Parce que Cana était sur la montagne. Parce que Cana était sur la montagne. Parce qu'ils avaient les monétaires pouvoir royauté. Parce que c'était le signe du pouvoir et la royauté. Dans Adam, Soumouki. Lorsque Adam a péché. A perdre royauté. Il a perdu la royauté. A perdre Éden, cela veut dire à quitter la bas montagne. Il a perdu Éden, c'est-à-dire il était
descendu au bas de la montagne. Mais même si Adam était allé dans le péché, Dieu a eu compassion à lui. Maintenant, Zambé a répété parole naïe de plusieurs manières. Maintenant, le Seigneur répète sa parole de plusieurs manières. Et de plusieurs reprises. À tel ici que Tango a placé Israël, il a montagne. Lorsqu'il a placé Israël sur cette montagne, montagne, les amis, qui est le jardin dedans, la montagne qui est le site du jardin, a bien appelé la ville de l'Éternel. Il appelle Israël la ville de l'Éternel. Nous sommes dans la malade. Amen. Voilà Israël dans le temps pour la malade. Là, Israël marche dans le désert. Et ça, le bon là, Adam a ta jardin d'Éden. C'est comme Adam dans le jardin d'Éden. Vigne de l'Éternel. Oui. Vigne de l'Éternel. Vigne y a Yahweh. Maintenant, Tango a consulté. Lorsque Adam a désobéi, Jérémie 2. Jérémie chapitre 2. Verset. Donc, Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Tous autant d'Awawa. Nous lisons ici, bien aimé. À partir du verset 29. À partir du verset 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'écriture des obéis d'Aïe, comme ma vie étrangère. L'écriture appelle Israël vigno yabapaya. Dans verset 21. Au verset 20. Jean verset 20. Le verset 20. Dans 21. Et 21. Il y a Jérémie 2. Jérémie 2. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu as dès longtemps brisé ton jour. Rompis tes liens. Vous savez, vie à justice, il y a obéissance à la parole est à Oumbu. La vie de la justice, de l'obéissance à la parole, c'est aussi comme une servitude. Amen. Mais ça, servitude à la justice. Mais c'est une servitude à la justice. Donc, quand nous avons Kangola Israël en Égypte, lorsque le Seigneur avait dit Israël de l'Égypte, de la a commis ça qui. Il avait fait d'Israël ses esclaves. C'est Lévitique 25, verset 55. Lévitique 25, le verset 55. Et lorsque nous autant au niveau, on le bayamo, faut argumenter avec les écritures saintes. Lorsque c'est ça la chair. Tu vas argumenter avec les écritures saintes. Parce que c'est toute écriture qui est inspirée de Dieu. Vous allez dire, mais nous sommes épais, mais la vie dans un verre. Et Zangate, mais écriture. Ce n'est pas moi, mais l'écriture de Dieu. Supposons que Lévitique 25, verset 55, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Voilà. Si le Seigneur t'a franchi de la servitude, il te fera encore un autre esclave. À l'émission de Moumbo et à Pharaon, il t'a franchi de l'esclavagisme de Pharaon. Mais pourquoi tu fais Moumbo naïe? Pour te faire son esclave à lui. Donc, au moins, ça n'a dit pas mon aïe. Donc, tu ne peux pas faire ta propre volonté. Au moins, ça n'a pas dit que c'est béni naïe. Tu ne peux pas. C'est ça, esclave. Il fera ce que son maître lui ordonne de faire. C'est ça qui dit Seigneur. Il y a un bon moyen de santé. Donc on voit ça la une fille aux années de la jupe en poussé. Tu peux être une fille, tu as besoin de. Mais si on comprend nous besoin de vie, Seigneur. Mais si tu comprends que tu es esclave, on l'a pour la une Seigneur. Tu vas porter une longue jupe comme le Seigneur te recommande. On se voit esclave dans un Égypte. Mais si tu n'es pas encore esclave, on l'a ta mon poussé. Tu as une jupe que tu vas porter une courte jupe. Vous comprenez les années. Tu comprends maintenant comme ça. Donc pour n'est-il au contraire la maman soumou, au lieu de maman soumou. Donc pour décider la vie du péché. Et que nous séparons. Et que tu te plaises à cela. C'est que non, non, comme esclave du Seigneur. Cela veut dire que tu n'es pas encore devenu esclave du Seigneur. C'est bien l'écriture, le mythe que nous branchons tous. L'icône, l'onimala, moi, t'es tombé, t'as calibre, t'as le soumou du Seigneur. Tantôt, t'es une manière, tantôt.
nom d'une autre. Mais l'esprit de repentance est très important. Mais c'est l'esprit de la repentance en nous qui est très important. Mais pour une autre personne, la repentance n'est pas importante dans sa vie. Vous êtes un malade? On est un esclave à justice. Il n'est pas esclave du Seigneur. Esclave à justice, pas tout le temps. Ce qui est le mais ça m'a dit, il faut qu'il passe la montée. Esclave de Jésus-Christ, il va sentir des remords dans son cœur. Il voit ça là-haut, le colonne est à le billet. Il doit faire ce que son maître lui ordonne de faire. Et Dieu le bénisse. Amen. Aux hommes en avant. Amen. Maintenant, Jérémie 2, Zambazol, au Banagat à Jérémie, pour Israël. Maintenant, le Seigneur dit dans Jérémie au sujet d'Israël : tu y as bien longtemps brisé ton jour. Où t'as-tu au Kouka au Ezali, mon Kouba, mon Koukoukoukoukoukoukou, mon Koukoukou, rempli tes mains. Mon Katamasinga. J'avais écouté, entendu un serviteur qui animait un séminaire. Et là, on est sur la Bible, il faut avoir un contexte. Il faut toujours regarder un contexte. Le contexte de toute écriture. Il y a les gambons en papier. De la chose que le Seigneur a donné. Parce que ce qui est là, parce que si le Seigneur ignore les paroles que tu dis, ah, c'est très grave. Ozona namala, suis attentivement. Tant ozo construit quelque chose dans l'écriture. Lorsque tu fais quelque chose dans les écrits, tanga contexte namala. Il faut toujours voir le contexte. Parce que c'est très important. Oui, tes aliments tout ya matasi. Mais d'autres vont négliger le contexte tel que placé par le Seigneur. Mais pour toi qui appartiens à Dieu, si tu sens que tu ne comprends pas une écriture dans son contexte, laisse-la d'abord. C'est l'écriture que tu comprends. Donc ne parle de l'écriture dont tu comprends le contexte. Amen. C'est ton salut, ton propre salut. Mais si tu ne veilles pas, cela sera terrible. Et ici, il dit que tu as longtemps brisé ton joug et rompu tes liens. Tu as longtemps brisé ton joug et rompu tes liens. Et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Colline élevée et surtout revêtue. Nicolas Bagoba, nous sommes baptisés, nous sommes mauvais sur le bout de sa main, le col à moi, c'est le bas. Dans verset 21, verset 21, il y a Jérémie de Mena. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Et tu m'es. Comment a-t-il changé au bon quoi dégénéré à une vie étrangère? Mais au bébé, le coup la vigne en papaye. Vous en avez là, moi? Amen. Alors, on a taillé comme vigne excellente. Il avait planté Israël comme une vigne excellente. What? Sur la montagne. Ou sur la montagne. Mais tant qu'on a rejeté ordre la parole. Mais lorsque Israël a rejeté la parole, a changé, a dégénéré. Donc Israël a dégénéré. A commis une vigne étrangère. Israël est devenu une vigne étrangère, vigne à papaya. Vous en avez là? Amen. Bah, Philistin, nous avons un Philistin dans le texte. Le Philistin que tu vois dans les textes de Samson, c'est Israël. Et ça, c'est Israël. La prophétie. Dans la prophétie. Mais ça, ce sont les étrangers. Et bah, c'est là qui papaya. Baza et les moyens d'Adam déchu. Ils sont les signes d'Adam déchu. Donc Adam a perdu le jardin d'Adam. Adam qui a perdu le jardin. Baza maintenant dans le lieu bas. Qui est maintenant dans le lieu bas. Est-ce que vous comprenez, madame? Est-ce que vous me comprenez très bien? Oui, le lieu là. De la même manière que aussi. Lorsque tu suis les choses de Dieu, ce qui
croisé dans la publicité comme lui est impudique. Même toi aussi, tu es devenu comme nous, frère. Mais peut-être toi, tu n'es pas comme nous, frère. Même parfois, ça te tombe dans la classe. Même quand tu te fâches à l'école. On te voit en train de danser la musique du monde. Donc, on comme ville étrangère. Donc, le coup de la fille, on perdre la montagne. Tu as perdu la montagne. Parce que c'est la vraie adoration. Parce qu'il a la vraie adoration. C'est pas des faux adorations. Mais ça, c'est la fausse adoration. Ah, mon père, la montagne, on va faire mettre la bombe à bénisser. Mais ta papa. Ah, c'est. Lui païen. Il y a une Bible, le Bible dans psaume 73, verset 15. C'est pourquoi la Bible dit dans psaume 73, verset 15. Asaph, il n'est resté que peu pour qu'il tombe. Mais il dit que ceux qui n'ont qui qu'on alors. Il dit si je sais de tomber, si je suis le roi, je trahirai la race de Dieu. Tentation, la tentation, c'est pour tout enfant de Dieu. Mais si vous vous souvenez, parole alliance. Tu te souviens de la parole de l'alliance. Normalement, j'ai trahi la race de Dieu. Gaï, n'a pas oublié ça. Le lait a posé la bataille. T'as oublié ça. N'ayons pas. Et même toi aussi, frère. Hein, sœur. Voilà, on t'a proposé ça. On peut revenir au pagan. Là, ce sera un païen qui te le dira. Vous en avez mal. Vous suivez attentivement. Bah, Philistin, basa vraiment, bah, païen. Les Philistins étaient vraiment des étranges. N'a pas oublié basa, bah, Israël. Dans la chaîne comme ça, il n'était pas des Israéliens. Mais mouvement, bah, joué, wana. Mais le mouvement qu'ils jouent ici dans sa joué le mouvement d'Adam ou Yakoui. Ils étaient, ils jouaient le mouvement d'Adam de chute tombée. Adam ou Yakoui a perdu le jardin d'Adam. Il a perdu le jardin. Ça va bien gagné. Les seigneurs de chasse. Mais le Nédiaké, mais la manière dont il est parti. Zambé a Yakoui. Les seigneurs viendra le chercher. Vous suivez à votre amour verrier. Le Seigneur va manifester la compassion. À comme vigne étrangère. Même si quelqu'un vigne étrangère. Et la même manière, le Seigneur nous cherche lorsque nous sommes encore païens. Donc c'est l'amour, la compassion, la miséricorde. Ce qui le pousse à venir nous chercher. Est-ce que vous me saisissez? C'est pourquoi tu vas reconnaître. Donc, dans la manière de venir chercher Adam dans sa chute, les seigneurs ont choisi une femme. Les seigneurs choisissent une femme. Ésaïe 54, verset 5, il est oui. Ésaïe 54, le verset 5, il est ici. Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, le verset 5. Mais moi, si on a ma copine, elle est dans ce cas. Mais cette femme-là, on va. Va me proposer la jeune fille. On va la lui priver et lui proposer la jeune sœur de cette femme. Mais la jeune sœur de cette femme est très très belle. Mais la jeune sœur de cette femme, ça est tout pour collégataire. Ah, la Bible. Ah, Biblia. Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, le verset 5. Car j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Yahweh n'a libéré que ton bonheur. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Même aussi mon inayo et salim au sang de l'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Zambé Yamokili Mobiba Toma Bénignasso. Que Dieu vous bénisse. Zambé à part pour la parole. Donc, Israël est une femme. Israël et Nazali, moi aussi. Femme, mais Azakon, étranger par rapport à Chicago. Mais qui est comme étranger par rapport à la Chicago? Attends, aux hommes, maintenant, on a racheté. Dit tant Dieu n'a pas encore fait les rachats. Azakon, il dit moi aussi. Et qu'il a aimé la femme. Tous en avant là. Amen. Il a commencé à descendre. Il a commencé à descendre. La Bible est dans la Kitoboling. La
Bible est succulente, frère. Est-ce que vous, il a commencé à descendre à Badatimna, Nambokatimna. Samson, c'est le signe de l'Éternel. Samson, c'est le signe de l'Éternel. Et moi, si vous avez l'ingi, Nambota, la voisin, vigne étrangère. Et la femme que Samson a aimée, visiblement comme ça, c'est une vigne étrangère. On a exhorté les Samena, Israël. Et cette femme représente Israël. Vous en avez là, mais c'est ici. Mais il y a le père de Samson. Et dans ses années, il a tâté à Samson. Et sa mère. Père, maman, et maman, tellement qui tombe. Les choses de Dieu sont tellement stupides. Le père et la mère. Tata, père, maman, c'est ça. On goûte la mienne. Ma méta qui m'a foutu dans Dieu. Avant mariage. Il y a un mot qui m'a dit ça. Ils ont goûté la mienne. Ma mot, ma méta qui m'a lié. Bonjour, la maman. Amen. Du temps où l'énigme vient fermer, papa et la maman va goûter le miel. Les pères et la mère avaient goûté le miel. Écoute ce que l'écriture dit dans Ésaïe. Tu feras quel effort, tu vas comprendre. Ces choses, c'est la grâce de Dieu. Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3. Dans verset 6. Le verset 6. Je donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans verset 6. On ira jusqu'à saisir son frère. Dans la maison paternelle. Il y a un habit. Au salut de la maman encore. Donnez la maman. Sois notre chef. Zala, mon petit fils. Prends ces ruines sous ta main. Sois dans la boucle et à la bise. Puis tombe la bise. Voilà. Ces jours-là même, il répondra. Je ne saurais être un médecin. Et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas, chef. Les chefs du peuple là d'avoir le pain et les vêtements pour le peuple. Ils la médecin. Et c'est là ça la monde à l'imota. Bon, l'imota va être malade. Parce que le peuple viendra malade. À quoi il y a un problème? Il viendra avec ses problèmes. Mais foi sa solution. Mais il doit obtenir la solution. Mais Balouka qui est dans quatre maisons paternelles. On était allé les chercher dans la maison paternelle. La maison paternelle de Deutéronome 18, verset 15, lui. La maison paternelle de Deutéronome 18, verset 15, nous dit. Dieu vous assistera d'entre vos frères. Zamé à côté pour la catita, ça va être connu dans le Bible. Un prophète comme moi. Mon saboli, mon bon loup pour la blague. Vous en avez un? Suivant pratiquement. Le père, c'est Moïse. Tata et Mosé. Et c'est moi aussi, maman, là. Amen. Le père, c'est Moïse. Tata et Mosé. Et la mère. Et maman. C'est le reste de tous les prophètes. Et ma sainte sur la titane. Et c'est moi aussi, maman, là. Amen. Et c'est ça la parole du Seigneur. Pourquoi dans le minimum? Pourquoi j'écoute ainsi? Lève et accroît à Christ. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ et bien à ma comme faiblesse dédiée. A pour nom au talent de Olemouyanzami la faiblesse. C'est 2 Corinthiens 13, verset 4. 2 Corinthiens 13, verset 4. Christ est mort à cause de sa faiblesse. Christ a couvert l'icolo et a pour de Olemouyanzami. Et cette faiblesse fait au et elle est pour moi. Représente la féminité. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la fête de Cana. Marie Azara avant. Marie avait précédé Jésus dans cette fête. Jésus est arrivé. Et Jésus était venu après sa mort. Marie, ouais. Cette Marie. C'est ça des prophètes. Et ça, bah, ça pour l'union sur la table de soir et soir. Bambo Bazawana l'air ma sangani moussou et ça. Et était là lorsqu'il y avait encore le vieux vin. Mais
temps Jésus est venu, et lorsque Jésus est venu, quelque temps vint ma part. Et quelque temps les vins il m'a parlé. Parce que Jésus est né aussi sous la loi. Oui, Dieu est son temps à peine à sa mauvaise foi. Donc il y a beaucoup de vin. Donc Jésus est venu trouver les vins là. Mais après, les vins il m'a parlé. Mais dès qu'il fait des mais au commencement d'après, Marie était déjà là. Marie-Wana Ligotalisa, l'esprit y a Messie souffrant. Cette Marie-là, c'est l'esprit de Messie qui devait souffrir dans les prophètes. L'esprit à souffrance à Christ et à Messie, c'est peut-être une femme, la faiblesse de Dieu. L'esprit du Messie souffrant représente une femme, la faiblesse de Dieu. Peut-être ça va comme une mère. Le coup là, maman. Vous êtes la maman. Amen. Et tant que vous êtes la Moïse, c'est comme tout un sacerdoce, un service à loi. Et lorsque nous parlons de Moïse, c'est tout un sacerdoce. Un sacerdoce de la loi, les pères. Et prophétiquement, comment est-ce que les choses sont placées dans la tête? Quand Jésus est venu, lorsque Jésus est venu, tout à Israël, loi Israël a juste rajouté la tradition. Il avait trouvé Israël avec la loi, mais qui a rajouté les traditions des hommes par-dessus? Vous en avez un? Amen. Au moins, il y a un moment où la femme samaritaine. C'est pourquoi la femme samaritaine? Quand Jésus, moi aussi, à ce qui est maïa, beaucoup. Lorsque elle a demandé à Jésus l'eau de vie, condition c'est qu'il va appeler ton mari. La condition de Jésus était qu'elle aille appeler son mari. Alors c'est que je n'ai pas de mari. Et elle a répété que ça n'a pas de mari. Jésus lui dit vrai. Jésus lui a dit solo. Il y en avait d'abord 5. Vous savez qu'il n'en est pas limité. 5, voilà, c'est la loi. Donc ces 5 maris là, c'était la loi de Moïse. C'est lui ce qu'il y a maintenant. Mon mari aux en a 6. 6e. Sixièmement, ce sont les traditions. Et Sali, Baïsa, les Moïa Bato, Matambo Bato, les traditions des anciens. N'est pas aussi ton mari. Asa, mon père, il a été. Donc les maris ont besoin d'avoir la 7e. Donc les maris que tu auras après, ce sera le 7e. Voilà, Namana. Le suivant attentivement. Ça, ma compagnie Israël a sali si loin de ma tradition. Le Seigneur avait trouvé Israël qui a mélangé la loi avec les traditions. C'est dans Matthieu 15. C'est dans Matthieu 13. 15. Matthieu 15. Il dit ceci. Matthieu 15. Dans ma tradition, j'y mets. À partir du verset 1er, second temps, qui? Même à partir du verset 1er en lisant. Alors, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, chapitre 15. Amen. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, c'est lui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister et dire offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Jésus les avait trouvés en train d'élever la tradition. C'est le mari qui vous avez maintenant. N'est pas aussi ton mari. Ce mari-là n'est pas le vôtre. Vous suivez? 5 premiers hôtesses à la loi. Donc les 5 premiers maris représentent la loi. Et oh, à mon équipe, à part la loi, à mon équipe, peut m'établir ma tradition. Et à part la loi, ils avaient vu Israël établir des traditions. Et c'est ce qui est passé la déclaration. Et c'est la déclaration qu'il a faite. Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous suivez attentivement? Donc c'est que
C'est-à-dire dans un problème. On comprend que dans Jean 2, vous allez remarquer que dans Jean 2, le Seigneur compare le vin au sang. Lorsque le vin avait manqué, le Seigneur n'avait pas. Dans Marie n'avait pas le Seigneur. Marie est venue auprès de Jésus. Ami, le vin a manqué. Pessa maman. Vigne et Sili et donne leur du vin. Donc c'est que Marie a le bas. Donc Marie disait, Koufa. Donc tu vas mourir. Meurs. Vous suivez attentivement. Oui, c'est ce que Marie dit. C'était ça le langage caché de Marie. Il y a le Seigneur venu faire. C'est pourquoi le Seigneur écoutez-moi ici. Il y a entre qui a-t-il entre toi? C'est ça, ça mon honneur n'est pas encore venu. Donc l'Ilombawa n'a pas même dit que le vin a manqué. Lorsque Marie dit ça, ma vie, ça m'a fini. À mon avis, que la femme disait qu'il faut couvrir. Parce que vin faisait. Tu avais compris que la femme lui disait que tu dois mourir parce qu'il n'y a pas de. Les prophètes ont prophétisé la mort de Jésus-Christ. Ma sacole, la loi est sous Christ. Et la mort de Jésus-Christ, c'est ça le miel. Puis la loi est sous Christ, dès la mort, ma foule dans le. Tout au long, il a cherché dans la montagne. Tout au long, il a mangé le miel. Il mangeait le miel. Et il a servi ça au père, na, sa, na, maman. Mais après ça, il y a mon tata, père, maman, les robots. Vous aurez la maman. Amen. C'est la même quand il lit la loi. C'est pas pour en lisant la loi. Il y a le Messie souffrant le derrière. Et ça, il a tant de mots Christ, c'est qu'elle a mis au point. Il y a même chose qui est préhense. Mais pourquoi en lisant les vraiment Moïse. Moïse. A quoi est-ce qu'il réjouissance, il y a un gars à Pharaon. Il avait refusé la résistance de l'Égypte. Il avait goûté à quoi? Miel. Au miel, l'opprobre de Christ. Ah, voilà. Amen. C'est ça, il donna son père le miel. Il a demandé qu'on puisse s'attendre. Mais l'air, on a une assurance assise. Mais à cette année, il n'avait pas encore pris la femme. Non, ça y est, mesdames, il n'avait pas encore acheté. Comment qu'il a rien qu'on achetait? Parce que les 100 millions ne rachètera pas. Donc, c'est miel. C'est-à-dire, donc, lorsqu'il a fermé la porte du jardin, c'est ça le lion. Il y a un gros yeux à Zalobou. Lion vivant. Gros yeux à Momo et Mokuluma. Donc, pas mon temps pour la porte. Il faut que le lion aille aller. Donc, il doit accepter que le lion puisse le dévorer. A dit, il va chérir, mais dans ce qui est peu flamboyant. Il avait placé les chérubins avec une peu flamboyante. Ce sont les deux êtres vivants. Et ça lit, il y en a l'aigle. Soyez à tout le monde. Si on te pose la question, bah oui, on s'en battait à la porte. Comment sécuriser chemin à l'arbre de vie? Le chemin que Dieu avait mis à la porte pour sécuriser le chemin de l'arbre de vie. L'oba est à la carte, lion à l'aigle. Répond que c'est le lion et l'aigle. Soyez à tout le monde. Soyez à tout le monde. Soyez à tout le monde. Bonne année. Si on te dit pourquoi? Parce que le lion et l'aigle sont des animaux qui réclament le sang. Amen. Ah. Bah, la porte. C'est son type qui était à la porte du jardin. Et les bonhommes étaient à l'aide de Moïse et Élie. Et leur signe représente Moïse et Élie. Vous aurez la main, vous suivez attention. La loi aussi est le prophète. Mon père au père dans ma salle. Demandez la mort de Jésus. Les alliés possèdent la loi à Christ au Jésus. Les vins ont manqué. Les filles ont possèdent la fée, tu vois, la na prophétie, Moïse, m'a dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait des recherches. Tout en yamot, salut, l'objet de leur recherche et de leurs investigations. Ma recherche ou dans l'investigation. Toutes ces recherches et les investigations des prophètes. Bazo ça d'abord par l'Esprit de Christ qui était en eux. Les prophètes les faisaient pousser par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ qui était en eux, c'est le miel. L'Esprit de Christ dans les prophètes, c'est ça le miel. Bonjour la maman. Suivez attentivement. C'est le miel. Et ça dit en fait à toi. Donc Nathan est à Lyon. Donc du temps du Lyon. Zaba Zabo Talisa aussi. Le secret a mis donc la grâce dans Katia Tanyon. Le Seigneur parlait aussi de la grâce dans ces temps-là du lion et sa colère. Alors Nathan donc
de sa fureur et de sa colère. Un des chapitres premiers, à partir du verset 10, j'ai le nom de Jésus-Christ. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts. Les saluts sont en réalité les miens. Mais les saluts ont des armes parce qu'il m'a il déchira comme on déchire un chevreau. Mais il y a un peu de temps qui n'a pas de temps. Aussi apporter cela dans la maison du père de la femme. Mais le père a refusé de céder la femme. Mais le père avait refusé de céder la femme. Malobi, on dit, qui ont prophétisé tout ça, la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit. Et qui a testé d'avance les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ, c'est la féminité. Les souffrances de Christ, c'est le moi-ci. C'est ça aussi le miel. C'est ça, il prend le miel, il donne à la mère. Il donne à la mère. Donc c'est la bénédiction que tu as dit, ma loi, ma ordonnance, et ça lion. Donc en lisant la loi, les ordonnances, donc c'est comme le lion. Mais il y a le miel. Parce que ça lion m'a foutu dans son quatrième. Les programmes, il y a mort à Christ. Donc le programme de la mort du Messie. Bonjour la maman. Amen. Et tant le soir. Et pendant tout ce temps. Le Seigneur est descendu pour parler. Amen. C'est comme Samson, il va à Timna, il descend. Et ça dit encore la Samson a pour quitter le Timna. Mais s'il a accepté à l'Oba, mais s'il a accepté de pas, Maloba est comme pas, et que sa parole te parvient, à conserver la présenter la position pour déchirer le lion. Il va te présenter la position de déchirer le lion. Donc, à établir ma prophète, n'est-ce pas, la mienne. Donc, il établit le prophète comme apportant du miel. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, Zan, et à Sala qui aussi, ce peuple à dans la loi, il est grâce, Bayo, Kaye, Nanzela, Yabaki. Donc, le Seigneur avait fait aussi la grâce à ses peuples, même s'ils étaient sous la loi, mais il écoutait à travers les hommes. Écoutez, l'écouter à travers les hommes, c'est le mien. Il y a moi qui m'a foutu à Dieu. Vous en avez là, vous suivez attentivement. C'est comme Dieu s'approche au travers des prophètes. Et ça, le savez, vous poussez à la cassine à Dieu. C'est pourquoi le mien les a dit entre les mains de la maman. C'est pourquoi le mien les a dit à qui? De la mère qui avait mangé. Mais, ayez dit vraiment secret avant ma camoute, t'es sous Kanamo. Mais il ne savait pas d'où provenait le miel. Donc Dieu cachait les choses. Ça passe avec mon pauvre. Il y a moi Ephésiens 3. C'est pourquoi Ephésiens 3. Les mystères cachés depuis les temps. Donc même la lettre à ma prophète. Il donne des prophètes. Il voyait le problème de Christ. Il voyait des grandes choses, comment le Seigneur allait mourir. Mais Dieu a gardé le secret. Parce qu'il savait à Bomba qui s'est guéri. Bonjour, la maman. Amen. Dans un Bomba et le commandant. Le Seigneur avait caché Dieu là-bas. N'a pas eu moyen de ne pas comprendre les araquités. Donc, il n'y avait pas moyen que les gens ne comprennent. Il y avait un mystère, le Seigneur a dit 10 choses en route. Il y avait un mystère, nous devions entrer. C'est ça, Ephésiens 3, les gens. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, tant que tout le monde est énigme, nos pays amis, nous voyons l'énigme qui fut donnée. Moi, si nous connaissons pas qui était pendant 6 jours. Donc, la femme ne connaissait rien pendant 6 jours. Moi, si, étape en autant Israël. Et cette femme, dans cette étape-là, de 6 jours de festin, représente Israël. Parce que Dieu a donné 6 jours à l'homme. Oh, Yahweh a fait ça pour le moto, pas le moto. Bah, tout le monde va dire la souffrance à comprendre 120 ans, 11 ans, l'homme a 120 ans. Il y a
34. L'homme qui fera ça 20 ans, nous le voyons dans Deutéronome 34. C'est Moïse. Les hommes, c'est Kaka et Bobo. Tant nous sommes en bas, lorsque le Seigneur l'a dit, allez à Noé, du temps de Noé. Mais après, on a pas Noé, la vie qui va 600 ans, la vie qui va bouler béné. Après, là, beaucoup d'autres gens ont vécu en bas. On a dit qu'il plus d'années. D'autres ont vécu plus d'années que ça. On continue la Bible, on dit qu'il va aller béné. Si tu continues dans la Bible, il fallait chercher ce temps. C'est vrai qu'on a monté à mon coco. Parce que l'homme, c'est Moïse. Oui, t'es monté au monde, on est Moïse. Il a fait 100 ans. Tataïe, ta vie, t'as 120 ans dans la Bible. C'est lui que Dieu parlait. Non. Ça, c'est là qui colombe la Bible. Et Dieu a donné à l'homme 6 jours. Mais ça va faire ça, monte, Nicolas, monte pas. Le septième jour, c'est le jour de Dieu lui-même. Mais pourquoi la santé, ça, pourquoi la santé? Il y a un moment dans le septième jour de l'énigme, faut voir. C'est pourquoi le septième jour, l'explication de l'énigme fut donnée. Les six jours, pendant les six jours, l'énigme était fermée. L'énigme était fermée. Quand l'énigme est fermée, lorsque l'énigme est fermée, moi, c'est un jour où on va de la haine vis-à-vis d'elle. La femme dit que Samson a la haine vis-à-vis d'elle. Moi, si on a une étape, il y a six jours-là, elle n'est pas l'église. Dans cette étape-là, les six jours, cette femme ne représente pas l'église que nous sommes. Parce que pour l'église, Dieu a aimé. Parce que pour l'église, le Seigneur nous a vraiment aimé. Et a dévoilé mis sur ma secret. Alors, il nous a révélé ce mystère. Quand on se rend pour la mort au septième jour, lorsqu'il vient révéler cela au septième jour, cette femme-là a son comment deux étapes. Et cette femme-là se divise en deux étapes. Parce que Israël a se divisé en deux. Parce que Israël s'était divisé en deux. Bah, nous sommes pas avant Jourdain, mais nous après Jourdain. L'autre était, les uns étaient avant Jourdain, les autres après Jourdain. Bah, nous sommes pas allés du côté Moïse après ce qui m'a amené. D'autres étaient du côté où Moïse leur avait donné l'héritage. Signe d'incrédulité. Les signes de ceux qui resteront incrédules. Mais bah, nous sommes Josué après ce qui m'a amené. Et d'autres, Josué leur avait donné le pays du côté du soleil couchant. C'est pourquoi tu vas en Israël. En Israël. Quand Siméon a suivi Jésus. Lorsque Siméon a pris l'enfant. A lui, cet enfant causera pour la chute de plusieurs. Cet enfant sera là pour la chute de plusieurs. Et pour le relèvement aussi, il y a un bébé en Israël. Et pour le relèvement aussi de plusieurs en Israël. Alors, bien d'abord en Israël. Il a parlé d'abord en Israël. Mais je ne pourquoi en Israël. En Israël, on se fait à côté de maman à sa marche. Et d'autres vont se relever pour marcher. Toujours en Israël, on dira Jésus. À cause de cet enfant. Bah, on va croire les hommes pharisiens. Donc ceux qui sont tombés sont les pharisiens de ce livre. Mais bah, on va tenir les hommes à Pierre, à Jean, à Jacques, à Thaddée, église à Jérusalem. Bah, on va tenir les hommes à Saline-Merge vers la cité de Dieu. Ah, ceux qui sont relevés, donc les apôtres de tous les juifs qui avaient cru à la foi pour marcher vers la cité de Dieu. Bazar! Parti à femme! Ils sont la partie de la femme. Mais partie à femme, on a reçu l'explication de l'énigme. La partie de la femme qui a reçu l'explication de l'énigme. Au septième jour, dans le catéchisme. Dans mon colossal, dans le catéchisme. Voilà ma pierre. Là, ce sont les pierres. Ma Jean. Les gens. Ma Jacques. Les apôtres. À comprendre les paroles. Ils ont compris la parole de Dieu. Amen. Mais pas ça, tu. Mais ils sont des juifs. On s'en a la malade. Amen. Dès le moment où on a l'explication de l'énigme. Et là, maintenant, on commence à parler de l'explication de l'énigme. Éphésiens 3, maintenant verset 6, c'est mélodie. Éphésiens 3, le verset 6 dit. Dans un temps, on a compris Jésus-Christ. Nous l'épisons au nom de Jésus-Christ. Dis-le-moi, le temps, ton rejoint est la mort dimanche pour vous saisir bien. Vous qui êtes venus aujourd'hui, lorsque nous allons répondre les dimanches, vous allez bien les saisir. Et ça, la canne à maman et Yenga. Il y a cela des mamans dimanche qui ne viennent que les dimanches. Papa et Yenga aussi. Ah, des papas qui ne viennent aussi que le dimanche. D'abord, comprendre. Ah, c'est ça leur nom. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Quand l'énigme est fermée, lorsque la parole est fermée, lorsque la parole est fermée, Paul a sauté avec ça. Paul monte. À cause des éléments à Paul, les prisonniers de Christ pour vous païens. Mon père a dit à Christ pour la vie de ma part. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donné pour vous? C'est par révélation que j'ai eu connaissance de, du mystère sur lequel je viens d'écrire l'impédiment. Paul a la grâce de Dieu.
aussi la grâce de Dieu. Il ne faut pas être là et te mesurer au frère Paul. Il y a 2000 ans. Oh nous, le Paul de 2082. Non, ce n'est pas ici. Paul, c'est notre père à tous. Avec les gens et les hommes. Tous les apôtres là sont des pères. Nous sommes comme leur sans exception, frère. Ce qui est ton ami, toi, enseigner ton besoin et pas dans la moi. Donc, si nous voulons enseigner, nous allons puiser aussi. Ton ami, je tiens bien. En fait, t'as tout besoin d'enseigner dans la moi. On va prendre les apôtres. Pour montrer que ce sont eux qui sont nôtres. Mais on est pas non plus aussi nos pères aujourd'hui. Mais nous devons savoir tous. Nous ne sommes pas semblables aux apôtres, frère. C'est très important. Et ça, pour tout, il y a pour l'État. Parce que les hommes ont utilisé vraiment pour le fondement de la maison. Parce que le Seigneur les a utilisés pour placer la vie. Tout constructeur qui vient après. A posé la pierre par rapport au fondement. Il pose sa pierre en regardant le fondement. Aujourd'hui, il y a des gens qui se créent leur propre évangile. Ah, ça n'est pas évangile, avec courage. Mais ils se créent, ils sont évangiles avec beaucoup de courage masculin. Or, dans l'ère à Jésus. Or, du temps de Jésus. Attali ça, ma pote, qui m'a envoyé aux apôtres, n'a pas eu ma nonna qui a vendu. Il a fait confiance aux apôtres qui vont moissonner dans les champs de ces derniers. Et c'est là qu'ils ont moissonné pour nous les donner. Donc, ceux qui t'ont dit de travailler, madame, t'ont respecté ma pote. Donc, si nous voulons bien travailler, nous devons respecter les apôtres. Ce qui m'apporte matin qui l'église met des bornes à ma gauche. Si les apôtres avaient prêché l'église comme leur propre entreprise. Mais l'église se tenait comme un matin. Alors nous on n'allait pas devenir des serviteurs. Parfois là où il y a la mort, ça va coco, y'a coco, y'a coco, parfois y'a Jacques. Parce que ici, peut-être à Jésus. Serré un héritage d'un rejeton de Jacques, là-bas qui est avec Jésus. Parfois, on a quand on les autres, coco, 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 y'a Pierre. Et là-bas aussi, ça allait être un héritage d'un rejeton de Pierre. Bataille qu'a jamais église. Il n'avait pas prêché l'église comme leur propre héritage. Il avait prêché l'église qui appartient au Seigneur. Ils ont travaillé en leur temps. Nous avons servi à des saints. Donc, ils sont tous à l'Imoussala. Pour accomplir le ministère, la portion Zambé a signé qui dit ça. Nous avons accompli notre ministère dans la portion que le Seigneur a signé. Il n'était pas le fils des calculs. Lorsque je suis mon amour, que je forme mon garçon pour garçon, mon deuxième garçon, et puis nous sommes à passer à la super garçon. Il prend des garçons. À côté, ici, il y a la théologie. Et puis il inscrit à l'école théologique. Pendant que nous y sommes, on a besoin de pour aller apprendre des sottises pour nous ouvrir. Donc, ces gens-ci ont enseigné vraiment. Paul, il dit, même si un ange a été, prêche une chose qui s'oppose à ce que moi j'ai annoncé. Quoi, ne doute pas de cet ange-là. Laquelle est ma vie? Qu'il soit à la terre. Vous avez la rivalité. Tu vois le niveau de l'enseignement? Dans ce moment,
Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations. Voilà. Et ça c'est énigme. C'est ça, ils ont fait ça 6 jours et énigme. C'est ce qui représente les 6 jours où l'énigme était fermée. Bonsoir, madame. Amen. On a 6 jours et énigme, ils ont fermé. Oh, pendant les 6 jours de la fermeture de l'énigme. Papa, la maman, c'est dans la miel. Les pères et la mère avaient déjà mangé du miel. Mais l'énigme, ils ont fermé. L'énigme était fermée. Ils attendent la vie. Ce n'est pas notre temps, frère. Amen. Mais miel, c'est ce qu'il y a déjà. Mais le miel, c'est mange déjà. Miel, on a dit, c'est l'esprit de Christ. C'est miel représente l'esprit de Christ. Qui était dans les prophètes. Oui. Qui a testé les souffrances de Christ. Oui. Parce que les souffrances de Christ, elles ont dit mon lion. Parce que les souffrances de Christ sortent du lion. Bonsoir. Amen. Et continuez le dit. Il n'a pas été révélé, il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations. Et quand il s'en est dit, il n'a pas été manifesté. Verset 5. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux 16 apôtres et prophètes de Christ. Donc maintenant, c'est le 7e jour. Le lieu est tel que les lots n'ont pas voulu nous sortir de la salle. Aux 16 apôtres. Puis n'a pas salué. La femme au 7e jour. Maintenant, la femme au 7e jour. Juge 14. Dans Juge 14. Ça sont comme dans les 16 apôtres. Devient les 16 apôtres. Bonsoir, madame. Amen. Ce sont aussi des juifs. C'est un mystère. C'est que les païens sont co-héritiers. Forment un même corps. On les place totalement, les païens, moi, si on veut expliquer. Vous voyez là où nous sommes comptés dans la forme qui reçoit l'explication. Ils ont formé un même corps. Ils sont tout de mon corps. Dans leur explication. Du temps de l'explication. Parce que Israël a divisé. Parce que Israël était. Ma moussouma t'y a dit un crédit. L'autre était resté un crédit. Israël ont dit un crédit. Israël qui demeure un crédit. C'est la même femme, oh yo, papa omi na char. Et ça dit, moi, soit la tata, mon koana, mais la tata, mon tata, mon qui na soum. A omi na char. Elle a dit, à cause, il y a elle et à Samson. L'icolo, il y a mon tima, ma bébé à Samson. Donc, à cause, il y a l'oreille de Samson. A quoi y a-t-il nous expliquer? À cause de la manière dont Samson lui avait pris que l'expérience. La femme est cachée. Moi, si accompagne. Mais Samson va me proposer à son une jeune. Mais on proposera à Samson la jeune sœur. Qui est plus belle. Ouais, elle dit, qui est. Là, ça part. Ouais, mais Samson, à ta autre choix, Wana. Même si elle soit ses choix. Merci, Liki, ma case. C'était. À Siliki. C'était vraiment. Quand elle a sa colère. J'ai mis le feu à Doumba. Je suis arrivé avec Satan, j'ai allumé le flambeau. Et ça, ignorance. Et ça, Moïda. Bakambalawana, alors ça, c'est la bango. C'est le nard là. Ma vie m'éliée, moi, si. Parce qu'on lui a privé la femme qu'il méritait. Mais à suivre, Bakambala. Alors il prend les 300. Pour à juger ma fille. Pour juger les femmes. Ma fille, on a saisi. Et ces Philistins-là, c'est le peuple d'Israël. Parce qu'ils ont connu comme vigne étrangère. Parce qu'ils sont devenus la vigne étrangère. Vous êtes là, madame. Vous suivez attentivement. Est-ce que vous êtes là, madame? Amen. Israël n'a pas crié. Israël a dimité. À la révélation du Messie. N'a époni celui à ma a rejeté Dieu manifesté à chair. Il a rejeté Zambou à terre de sa vie. Zambou a pêché dans Matthieu 2. Parabole a convié à fête. Le Seigneur a donné dans Matthieu 22 le. La parabole est confiée. Lorsqu'il a fait la fête, ma terre avait dit c'est la fête. Les gens appellent à la fête. Ma boy Koya, ils ont refusé la fête. A déclaré moi que de cause qui s'en a déclaré d'aller brûler la ville de la prière. C'est dans Matthieu 22. C'est dans Matthieu 22, bien aimé. Si ça Samson Sylite, il y a pas de Samson à Sylite. Il brûle Azon Zikisa. Abondance Yoshi. Et puis il brûle. Là, voilà, Assad et la Camo avec des nations par Romains. Ils utilisent les nations pour les faire. Si il y a un mot qu'on a un héros d'un
Maintenant, lorsqu'il voulait le tuer, c'est dans Luc 13, dans Luc 13, verset 31, verset 31 jusqu'à 30. Parmi les rénales, la catégorie de la terre. Ce sont eux qui seront en alliance. Mais à cause à connaître des dieux pour pas détruire peuple et moi, couper ça, moi si na Samson. Pour détruire le peuple de Dieu qui a privé la femme à Samson. Voilà le plan à Bissot. Et ce peuple là n'est pas. C'est Israël. C'est Israël. La parole est venue chez elle. Il n'aurait été pas parlé pour elle. Elle ne l'a pas réussi. Pas quoi qui est. Ma bomba mina simarito. Donc ils se sont cachés derrière le voile. Les camisins n'ont pas les énigmes. Leur pensée n'est que des choses sans que l'énigme n'est pas encore expliquée. Maintenant, il y a un moment donné, mais pas la grâce de Dieu. Nous irons petit à petit avec cela. Zala armé toujours dans l'esprit en prière par la grâce de Dieu. Sois toujours armé par l'esprit de la prière par la grâce. Et je crois que Dieu, par son amour, le col à Ponayo. Et je crois que Dieu, par son amour, comme il t'a élu, comme cette jeune fille, le col à élevé moi si on a. Oyaza comme vierge, Oyasengélia, son papa Pharaon, Samson. Qui est comme la vierge qui doit être donnée à Samson. Il faut toujours être sa nature à Maman par la grâce de Dieu. Toujours manifester une bonne nature par la grâce du Seigneur. Vous n'avez qu'à décourager tes amis dans la parole. Ne sois pas découragé lorsque tu écoutes la parole. Ok, d'accord. Tu vas parfois consoler quelqu'un et tu rentres 20 heures à la maison. Parfois, quand tu as la visite, tu vas aussi. Après, tu vas aussi. Et dans les choses, il y a que cela ne soit pas comme si on t'a tué, c'est pas rentrer vite à la maison. Non, frère. Et ça, une occasion de travailler, c'est une occasion, nous avons travaillé, il fallait prendre tous les contextes. Et par la grâce de Dieu, tu vas longtemps pour les commandes pour faciliter maintenant la compréhension. Et par la grâce de Dieu, cela va commencer à faciliter ta compréhension. Que Dieu te bénisse. Ça ne va pas pour la vie. Que la paix du Seigneur les arrive. Et qui te fasse des bienfaits pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Par la parole.